Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie, épisode 179. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un faux départ. Voilà, j'ai mis à jour XSplit et il a changé mon micro, donc on ne m'entendait pas. Donc j'ai juste vu le premier chapitre, on va le refaire ensemble, c'est pas un souci. Donc épisode 179, histoire secondaire, histoire du temps jadis, protège ma Candice. Donc comme je disais, donc ça va tourner autour de Rose, à ce que j'ai compris. Rose donc qui est ce personnage, je le rappelle, qui fait partie du groupe des Wizards, qui est passionné de musique et dont le Zanpakuto peut se transformer en une sorte de gigantesque corde qui peut faire vibrer comme une corde d'un instrument de musique. Tel qu'un piano, une guitare, non pas un banjo, faut arrêter les bêtises, mais voilà. Allez, on est parti, on est parti, on est parti. Moi j'ai déjà lu l'histoire, mais je vais la relire avec vous. Enfin, l'histoire du chapitre 1. Après, quand j'ai vu que le micro ne fonctionnait pas, j'ai recommencé l'enregistrement. Eh zut! Ah mais décidément, je suis maudit. Il a pas relancé le dialogue. On y arrive. Et pourtant, je me suis organisé comme un malade au début, avant l'enregistrement. Là, j'ai tout lancé en fait. J'ai mon dossier de fichier brut qui est ouvert. J'ai mon logiciel de montage qui est prêt à accueillir les rendus bruts. J'ai lancé XSplit, j'ai fait la mise à jour et tout. Je me suis mis nickel et j'ai que des soucis techniques. C'est agaçant. Bref. Il n'y a pas à dire, le jazz c'est excellent. Excusez-moi, capitaine Irako, je suis venu chercher les documents que je vous avais demandé de remplir l'autre jour. Oui, ils sont là-bas, tu n'as qu'à les prendre. Ça alors, c'est exceptionnel. Vous avez terminé le travail avant même que je doive vous le rappeler. Qu'est-ce que tu racontes? Tout est toujours parfait avec moi. Vous êtes encore en train d'écouter cette musique? Vous appelez ça du jazz, c'est bien ça? Ouais, quel morceau renversant? Non, on pourrait l'écouter jusqu'à la fin des temps sans s'en lasser. Non, honnêtement, je pensais justement que j'en avais assez. Quoi? Cela dit, c'est vrai que j'écoute ce morceau sans arrêt ces derniers temps. Bon, je vais en mettre un autre, ou plutôt non, je vais aller me payer un ou deux nouveaux disques. Et puis tiens, pour l'occasion, je vais inviter Rose à m'accompagner. Non, capitaine, vous ne pouvez pas laisser votre travail comme ça. Et puis le capitaine Otoribashi a son travail, lui aussi. Vous le dérangeriez en l'invitant à l'improviste, ne pensez-vous pas? Aucun souci pour les types comme nous. On assure, on peut mener de front travail et loisirs. Vraiment, de front. Et puis c'est pour ce genre d'occasion qu'on a des vice-capitaines. Donc je compte sur toi, mon cher Sosuke. Le capitaine Irako. Oh là 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 là. Alors attendez, juste un instant. Voilà. Juste un truc sur le sprite du capitaine Aizen. Ils ont pris un sprite générique et malheureusement il a son Zanpakuto clair et puis son visage un peu voilà. Donc ils ont pris un sprite malheureusement assez générique.
Donc si on va assez vite, on est déjà 5 minutes, et on n'a pas fini le premier chapitre. Non bon, si on va assez vite, je disais, on fera quelques tirages. Ah, le voilà. Et Rose, ah, tu es là aussi, Love. Ça pose un problème. Salut. Non, je me disais juste, tiens, voilà encore un qui a du temps libre à revendre. Tu peux parler. Oh là là, qu'est-ce qui t'arrive, Rose? Tu fais une tête d'enterrement, mon vieux. On lui a confisqué ses instruments. Hein, ses instruments. Comme il passait son temps à jouer de la guitare ou du violon, on a fini par lui dire « Mets-toi au boulot » et ses instruments ont été confisqués. Candice, ma douce Candice. Mais quel amateur, quand on tire au flanc, on le fait de manière à ce que ça ne se voit pas. Mais je ne tire pas au flanc, c'est par besoin d'inspiration que je fais de la musique, c'est tout. Souviens-toi, tu les récupéreras quand tu auras fini ton travail. Oui, mais privé du chant des cordes de ma douce Candice, je souffre mille morts et me sens incapable de travailler. C'est sans espoir. Ah là là, il est là, Rose, il est là. Rose, on vient de recevoir des ordres. Toi et moi, on part en mission en quête de destruction de Holo. Eh ben, il a pas l'air dans son assiette, le pauvre Rose. Ça va pas. C'est une maladie chronique, ne fais pas attention. Et puis, c'est mal poli de dire aux gens qu'ils ont l'air en mauvaise santé. Je ne sais pas de quoi vous parler, mais il faut y aller. Voilà. Bien. Dites, vous n'êtes pas obligé de venir ici, vous savez, Mashiro, Rose et moi, ça suffira largement. J'ai quelque chose à faire avec Rose. Alors on expédie cette mission en vitesse, j'ai hâte d'aller m'acheter des disques, moi. Love, tu viens nous aider aussi, hein? Moi, pourquoi je devrais? Bah après tout, je n'ai rien d'autre à faire. Dites, pourquoi c'est nous qui devons nous charger de cette mission? Aller inspecter une maison et interroger les voisins, c'est pas la peine de déranger des capitaines pour ça, si. Pas le choix, les autres membres de la division sont déjà tous occupés. Il ne restait que nous dans les quartiers, c'est normal qu'on s'en charge. Et pourquoi on attendait dans les quartiers comme des idiots? Kensei était trop bête. Boucle là ou je t'en colle une. De toute façon, c'est parce que Shinji ne fiche rien que le boulot finit toujours par nous tomber dessus comme ça à la 9e division. Hein? Cette mission au départ, c'est un travail pour la 5e division. Mais comme tu passes ton temps à t'amuser, c'est à nous qu'on s'adresse, vrai ou pas. Mais j'ai chargé Sosuke de s'occuper de tout. J'ai été parfaitement clair, je compte sur toi mon cher Sosuke. Et tu ne fais jamais rien toi-même. La 5e division a ses propres problèmes, on dirait. Ah, au fait, Rod, le vice-capitaine Iba a dit, je cite, « Il mène à bien cette mission. S'il mène à bien cette mission, il pourra récupérer ses instruments. » Bien, allons-y. Et au pas de course. Il suffisait d'agiter la bonne carotte pour lui redonner du tonus.
Voilà, j'ai fini d'interroger mes témoins. Quoi, je suis le dernier. On a fait le tour des résultats. On a fait le tour des résultats. Alors, il y a une maison abandonnée près d'ici et il semble qu'on y entende des bruits bizarres pendant la nuit. On m'a parlé aussi de cette maison abandonnée. Les gens y aperçoivent régulièrement des silhouettes louches. Régulièrement, si ça se répète, ce n'est pas le fait du hasard. Bien, si c'est un holo, on l'élimine, sinon on capture le coupable et on a une petite discussion avec lui. La maison abandonnée est un peu à l'écart du village. Allons jeter un coup d'œil. Excusez-moi, j'ai coupé mon micro pour écouter un truc sur mon téléphone, j'ai des amis qui font les cons. Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'apercevoir une silhouette là-bas. Dans la direction de cette fameuse maison abandonnée, une seule silhouette. Une seule, c'était une personne, pas un holo. C'est à cause de tout ça. La cause de tout ça serait donc un habitant du Rekongai. Espérons qu'il n'ait pas de complice. Oui, enfin, même s'il a des complices, ça reste du gâteau pour quelqu'un comme toi, non? C'est vrai. Bon, pour parer à toute éventualité, on encercle la maison et on met la main sur celui ou ceux qui s'y trouvent. Ne baissez pas votre garde, t'inquiète. C'était Lisa? Qu'est-ce que ça signifie cet assaut généralisé? Lisa, mais qu'est-ce que tu fiches dans un endroit pareil? Je vous retourne la question, qu'est-ce que c'est que cette descente de capitaine? J'aime bien son sprite. Ah, Lisa. Ah, vous savez, Lisa, j'ai un gros faible pour ce personnage aussi. On a été chargé d'enquêter. On nous a prévenu que derrière moi, les gens entendaient des bruits louches et voyaient des ombres dans cette maison abandonnée. Alors, qu'est-ce que tu faisais ici? Eh bien, je crains le pire. Honnêtement, je crains le pire venant de Lisa. Quoi? Des romans cochons, tu es venu cacher des romans cochons. Il se passe quoi dans ta tête? C'était sûr. Je n'ai pas trop le choix, si je les laisse dans nos quartiers, quelqu'un les jettera. Dis donc, il y en a un paquet. Je ne pensais pas lancer des rumeurs chez les villageois. Bon, je vais devoir chercher une autre cachette maintenant. Bon, c'était pas un holo, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas mettre ça dans notre rapport. Qu'est-ce qu'il y a, Rose? Ça fait un moment que tu es perdu dans tes pensées. C'est ça, je n'ai qu'à les cacher. Hein? Mes instruments, pour que Chicané ne puisse pas me les prendre, je n'ai qu'à les cacher. Bah, tu joues à ce jeu. Ah, tu joues à ce jeu-là plutôt que de faire ton travail pour pouvoir les garder. Mais où les cacher, Shinji? Tu ne connaîtrais pas une bonne planque?
Je ne cache jamais rien, moi je prends du bon temps en permanence et je ne le cache pas. Alors je ne peux pas t'aider. Allons, aide-le. C'est vrai, s'il souffre, ce pauvre Rose. Bon, si c'est comme ça, on n'a qu'à demander à Kisuke. Même si on ne connaît pas de cachette, il aura sûrement une idée. Parfait, on va lui demander. Akisuke, tu tombes à pic. Que se passe-t-il? Donc il est déjà capitaine de la 12e. Ok. Kisuke, j'ai une faveur à te demander. Une faveur, ah bon? Ça va encore être un truc ennuyeux. Ne le prends pas comme ça, on est amis, non? Je me le demande. J'ai des tas de choses à faire en ce moment, une autre fois peut-être. Allons, allons, écoute juste ce qu'on a à te dire, d'accord? Pas d'accord, si je vous écoute, je mets un doigt dans l'engrenage. Très bien, on va faire comme ça, on se fait un petit combat, si on gagne, tu nous écoutes. C'est pas vrai, tu me forces encore la main. Et si on perd, Rose s'occupera de toutes les corvées que tu veux pendant une journée. Qu'est-ce que tu en dis? Quoi? Mais je... Bon, très bien, allons-y. Non, mais là, il dit oui tout de suite. Arrête de te plaindre, Rose, on n'a qu'à gagner, c'est tout. C'est ça, on n'a qu'à gagner. Et voilà, on a gagné. Bon, ce qui est dit est dit. Qu'attendez-vous de moi? Hé, Rose, tu as l'air de bonne humeur. Bien sûr, Chicané ne pourra plus me confisquer mes instruments. Tu as réussi à les planquer? Kisuke m'a fabriqué un coffre absolument génial. Il l'a intégré à la salle d'honneur des quartiers de la 3e division. Si n'importe qui pouvait ouvrir le coffre, ça ne servirait à rien d'y cacher les instruments, pas vrai? Celui-ci analyse la pression spirituelle, tu es le seul à pouvoir l'ouvrir. Et ce n'est pas tout, il comporte un étui à violon dont on peut contrôler la température et l'humidité. Le violon est un instrument délicat, c'est pour cela que j'ai installé un système de contrôle des conditions atmosphériques. Quand tu n'en joues pas, ton instrument sera dans son étui comme dans un petit nid douillet. Dans son étui comme dans un petit nid douillet. Tu penses à tout, dis donc. J'aurais dû te demander quelque chose moi aussi. Il n'est peut-être pas trop tard. Ah. Mais ça va pas, non? Boucle là, crâne d'œuf. Iori. Je t'ai enfin retrouvé, tu te cachais où ces derniers jours? Quand t'es pas là, ton espèce de fantôme à face d'œuf dur me traite comme une esclave. Ouais, elle parle de Mayuri, évidemment. Et pendant que je fais le boulot qu'il m'a confié, il en rajoute, ramène-moi ci, ramène-moi ça. Du coup, ça n'avance pas, alors il se plaint. Parce que le boulot qu'il m'a confié n'est pas terminé. C'est quoi son problème? En tout cas, c'est ta faute parce que t'étais pas là. T'étais encore à tirer au flanc, abruti. Mais pas du tout, j'ai dû aider à Hirako et... Hein, Shinji? Et ne me regarde pas comme ça, c'est Rose qui avait besoin d'un coup de main.
Ferme ton clapet, je veux pas entendre tes excuses. Iori, tu pourrais me lâcher avant de t'agiter à droite, à gauche. Tu m'étrangles depuis que tu es arrivé ici et... Oui, du calme, écoute ce que... Toi, j'ai dit, ferme ton clapet. Aïe, 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 aïe. Difficile à vivre, hein. C'est la fin? Eh oui, ça a l'air d'être la fin. Eh oui, bon, ça va. 20 minutes, ça a été assez rapide. Non, c'est pas là que je voulais aller. On va faire quelques tirages, on va faire un peu de loterie de conne, on va faire... voilà, on va quoi. On va. On va récupérer ça. Voilà. Et on a une Lisa. Oh, une Lisa vitesse, à mon avis, je dois déjà l'avoir. On va aussi récupérer les points de conne pour tout à l'heure. Alors, question. Est-ce que la fameuse... Ouais, bah, je suis déjà sur la page, résultat. Eh non, c'est une nouvelle Lisa. Ah là 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 là. Bon. Ça va, j'ai utilisé les petits cristaux. Bien. Et ben, ça fait 35 orbes en plus. Je crois qu'ils ont été versés directement. Ah non, ils sont là, hein, c'est ça. Ok. Et ben, j'ai 1000 orbes. Alors, je propose qu'on commence par les loteries un petit peu, voilà. Alors attendez, j'ai vu qu'il y avait une loterie à 50, voilà, à 50, ouais, puis en plus c'est des persos que j'ai pas forcément. Non, malheureusement. Malheureusement, non. La prochaine est à 150, on va la faire. Bah, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Bon. On va tenter donc des coches d'or du Quincy. C'est un non. C'est un non. Et dans la brave sélection. Ah bah quand même. C'est... D'accord, non c'est Mashiro. Alors je sais plus si j'avais déjà cette version. Et non, je n'avais pas cette version de Mashiro. C'est la version Machine Society.
J'ai très peu de personnages de la Machine Society en vrai, donc. Et pareil, hein, les versions de The Alternate Rebirth, je dois pas en avoir énormément des personnages de cette catégorie. Est-ce qu'on en retente une? Je peux encore faire au moins deux tirages. Je vérifie, mais je crois que c'est là que je dois avoir le moins de personnages possible. Je veux juste regarder les filaires. Alors, il y a qui? Je crois que j'ai Riruka. Je crois que le seul personnage que j'ai dans ce lot-là, c'est Riruka. Cette version-là de Riruka, je dois l'avoir. Ça, c'est dommage, on peut pas voir dans les personnages disponibles ceux qu'on a déjà. Et dans la partie des coches d'or du Quincy. Qu'est-ce qu'il y a en filler? Neliel, je l'ai. Et je pense que le Ulquiorra, comme sa force, je dois l'avoir. Je suis pas sûr. Et dans Alternate Rebirth, je dois avoir Noitra. Noitra, je l'ai, je pense. Il me semble. Ah, il y a beaucoup de monde. Alors, je suis pas sûr, je dois avoir cette version d'Azelaporo. Et les trois personnages qui sont là, je dois les avoir, je crois. Ah, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Oh, allez, brave sélection. Allez, voilà, on va tenter cette loterie-là. Alors, c'est un Kisuke. Et c'est un nouveau Kisuke. C'est bien ce qui me semblait, que je n'avais pas cette version. Super, super, super. Ça fait deux nouveaux personnages. Un dernier, je tente Alternate Rebirth. Même si j'ai beaucoup de personnages de cette sélection. Oh, direct. Ouh, c'est beau ça. Aroniro. Oh, et j'ai Yami aussi. Oh, ça me fait 4 nouveaux 5 étoiles. Ah, ça, on est bien là. On est bien, on est très très bien. Ok, quelques tickets. J'ai un 5 étoiles pour un ticket événement. Ça fait un 5 étoiles en plus, mais il y a de grandes chances que je l'ai déjà. Non, Ishina, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. On peut faire un ticket de loterie 4 ou 5 étoiles. En espérant pouvoir décrocher un 5. Giridateka. Que des 4 étoiles. Malheureusement. On peut faire quelques braves sous, mais là, ça tombe. Moyennement, quoi.
Ça veut pas, hein. Eh ben, dernier tirage. Eh ben, c'est non. C'est non, c'est non. Bien. Mince. Hop. Bon, j'ai quelques loteries de connes à faire. Encore une fois, donc une petite dizaine, un peu plus d'une dizaine. Et encore une fois, on va compter les volontés du Gyoku. J'ai pas de chance, hein. C'est pas aujourd'hui que j'irai gratter un ticket de loto, hein. Ah, une volonté du Goku, quand même. Toujours pas. Allez, dernier tirage. J'ai qu'une seule volonté du Goku sur 30 000 points. Bah voilà, ça c'est fait. C'est fait, c'est fait. Et pas eu de chance aujourd'hui, quoi. Bon, on a encore un petit peu de temps. Je vais voir avec vous pour maxer les nouveaux 5 étoiles que j'ai. Hop. Donc on va commencer. On va faire dans l'ordre de. Pareil, il y a des 5 étoiles que j'avais eu du dernier coup que j'ai pas. Que j'ai pas maxé. Yami. C'est. C'est quelque chose ce chara design. C'est quelque chose ce chara design. Ok.
Bien. Donc un autre 6 étoiles que je réagirai plus tard. Ok, suivant. Aroniro. En vrai, on pourra retenter un tirage après, hein. Ok, on a Kisuke. Mais quoi, Kisuke? Tac, tac, tac. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas. Ah, il a un pouvoir de protection. Il a un pouvoir de protection. Ça peut être sympa, ça. C'est dommage qu'en cliquant sur les attaques, on puisse pas les voir en animation. Ah, attendez. Hop, avant. Avant. Et on finit avec Mashiro. Ça fait penser un petit peu aux bonbonnes qu'avaient les gardes alpha dans Beyond Gun & Evil. Excellente série que j'ai faite sur ma chaîne. Excellent jeu vidéo. À l'époque, Ubisoft c'était encore bien. Toujours pas de nouvelles de la suite. Ça, c'est comme la suite de l'animé de Bleach, c'est. Attendez, je l'ai pas feed? Attendez, il y a un souci là. J'ai oublié de la feed? Ah ouais, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai foutu.
Bien. Après, j'ai d'autres 5 étoiles là qu'il faudrait que je... Ah oui, donc je savais la version de Noël de Inamori. C'est drôle, sa coiffure, elle est super bien travaillée devant. Par contre, derrière, c'est... Y a pas trop de détails sur sa coiffure à l'arrière, quoi. Qu'est-ce que je peux utiliser? Ouais, allez, hop. Excusez-moi. Chaque fois, je me trompe dans le sens. Hop, d'abord faire l'arbre, puis ensuite XP. Allez, dernier personnage, Isshin, et après on relance un tirage. On pourra. Ouais, bon. Bon. J'utilise pas mes Sayala Poro parce que le level de Sayala Poro est chiant. Quand on... En avènement. Il y a des zones de poison partout, c'est chiant. Oh, j'ai un souci de réseau. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bien, bien, bien. Donc voilà. Au niveau de mes Ogyoku, ouais, j'en ai 75 encore. Donc ça va. Ça va, ça va. Écoutez, hop, on va faire celle-là. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Non, malheureusement, c'est non. C'est non. C'est pas grave, ils seront bouffés, c'est pas un problème. Bien, bah écoutez, sur ce...
Ouais, c'est terminé. Cet épisode est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour je ne sais pas quoi. Parce que là, au moment où je tourne, bah, il n'y a pas eu d'histoire secondaire qui est sortie après ça. Il y a pas la suite de Spirit Always With You. Donc, on verra bien. Voilà, entre le moment où je tourne cet épisode et le moment où il est publié, on verra s'il y a autre chose qui sort. Et si ça sort, ce sera pour vous la semaine prochaine. À bientôt!